Yo tout le monde, quant à vous, c'est Pyrotoxique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jungle Eid. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Jungle Eid. La suite de cette mise à jour avec beaucoup d'informations, beaucoup de précisions sur cette mise à jour, mais aussi le passage à l'HD. Donc, j'ai pas la même vidéo que. La même base que dans les précédentes vidéos. Donc, l'état-major niveau 10. C'est mon second compte et l'état-major niveau 10, j'ai pas réussi à le faire passer sur Facebook puisque j'avais déjà transféré ce compte-là en test pas de chance, on pouvait pas changer. Donc je vais rechercher, je vais réessayer pour le transférer. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, passage HD, remerciements, j'ai fait un buzz. Oh mais je bats un record sur cette vidéo, enfin sur la précédente vidéo de la mise à jour. Et par rapport aux abonnés, en vue, en j'aime, je vous aime tous, plein de bisous et tout, je vous adore et merci, merci encore, mille fois merci. Et grâce à vous, je me suis motivé encore plus et j'ai cherché un maximum d'informations et j'ai vraiment plein de choses. Je remercie quelques personnes qui nous ont donné des screenshots pour cette mise à jour, donc qui ont réussi à avoir l'arme ultime et tout. Donc tout de suite, on va passer aux précisions. Donc on va passer à l'avion cargo, donc l'avion transport réparé. Donc en tout premier, nous pouvons voir celle-là. Donc voilà, hop, là un petit screenshot s'affiche sur l'écran. Donc je vous lis au passage. Donc ce petit appareil, c'est un système étincelle. Donc sur le screenshot, il est niveau 2. Donc au niveau 2, il a 600 PV, ce qui est plutôt pas mal quand même. 9 dommages par seconde. Ça fait peur, mais ça a l'air pas mal. Je demanderai à la personne qui l'avait si elle fait vraiment énormément de dégâts. Coût en munitions, 20. Donc, elle a des munitions spéciales. Moi, j'appelle ça le matériau, le minerai, le minéraux, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon, je peux pas savoir. J'ai pas encore le prénom de ce matériau. Comment on l'a, je vous dis juste après. Donc, ça va être de logique. C'est une portée de 4 à 11 tuiles, donc voilà, hein, tout le monde connaît les portées, à quoi ça équivaut à peu près. Donc 4 à 11, c'est vraiment pas mal. Ça, je crois que c'est à peu près comme le mortier, donc c'est vraiment pas négligeable. Type de dommage en zone, c'est vraiment pas mal. Oui, la zone, donc nous avons déjà le mortier et le rayon mortel qui faisait la zone, donc maintenant on a une nouvelle chose. Nous avons aussi le cible, donc elle fait seul R en zone, vous imaginez, donc c'est vraiment pas négligeable. Et les cibles, toutes, évidemment. Donc une arme de défense expérimentable, dotée d'un système de camouflage, évidemment. Le mec qui m'a dit, tiens, t'as qu'à regarder sur ma base et tout, comment il ressemble. Il est invisible pour nous, c'est comme les dev drones, on peut pas le voir. Donc c'est bien stratégique, et je crois que ça fait le carré d'un dev drone, si je me trompe pas. Doté d'un système de camouflage efficace contre les cibles ennemies aériennes ou terrestres. Donc on a déjà vu ça. Nécessite un temps de rechargement. Alors est-ce après la bataille? Est-ce pendant la bataille? C'est une bonne idée. Je me renseignerai. Je vous dirai dans une prochaine vidéo. Excusez-moi. Améliore-le pour augmenter sa puissance de feu. Évidemment, on peut l'améliorer. Donc, est-ce que l'esthétisme va changer? Je l'espère, en tout cas. Déjà, il est vraiment pas mal. La quête de l'ouvrier comme un système de dev drone, c'est plutôt pas mal. Donc, bon, ils sont pas fait chier, mais c'est pas grave. On leur enlève pas. Donc, on passe direct au tournoi de ressources que j'ai toujours pas débloqué. Donc, le tournoi de ressources qui est débloquable lorsque vous avez réparé l'avion. Donc, j'aurais pensé que c'était un événement à venir. Et ben non, en fait, il suffit de réparer l'avion entièrement. Donc voilà, je vais vous mettre quelques screenshots de ce tournoi de ressources. Qu'est-ce qu'on peut y avoir? Donc, les récompenses, évidemment, c'est un tournoi normal. Sauf que pour gagner, il suffit de faire quelques tâches pour collecter des ressources. Et avec ces ressources, on augmente dans le tournoi. Donc, la première place à la troisième place. Les premiers, donc dans le podium, 100 diams, 200 crânes et 20 matières, donc la matière qui servira à recharger cette nouvelle arme, seront disponibles pour les 3 premiers. A partir du 4e à 25e, nous avons 15 crânes et 15 matières,
Moi je l'appelle matière, vous savez, c'est le truc pour recharger. J'ai toujours prononcé matière. 26e à 50e, nous avons 10 crânes et 10 matières. Nous avons donc perdu les diams en cours de route à partir du 4e. De 51 à 100, nous avons 10 matières, nous perdons les crânes. Et nous avons donc les 10 matières. On va pas refuser non plus. Et autres 5 matières pour les autres personnes qui sont plus de 100. Donc tout le monde est récompensé. C'est déjà ça. Donc comprenez que c'est 20 matières pour recharger. Donc il faut être dans le podium. Mais bon, si c'est déjà pas mal. Je sais pas la durée. La durée du tournoi. Donc à mon avis, vous allez le voir dans Screenshot, mais je suis pas sûr. Et donc voilà pour ça. Donc j'ai fait le tour. Donc le chien qui sort de la cabane, je me suis renseigné aussi. Ce n'est pas une arme, en fait, c'est juste une décoration et c'est un chien, comme vous pouvez le savoir. Pour les ailes, les hélices, les matières, les bricoles comme ça, c'est totalement aléatoire. Donc il faut avoir de la chance. Autre chose. Ça pour l'objectif faire 3 en français c'est gagne 5 combats 3 combats joueur contre joueur contre un état-major plus haut que le sien ou égal si je me trompe pas c'est ça. En tout cas, c'est ce qui a marqué sur mon portable mais là je suis sur mon ordinateur. Donc voilà, ça c'est ouais, c'est supérieur. Si c'est pas ça, ne m'en voulez pas, c'est ce que j'ai entendu parler en tout cas. Aussi pour donc information, attends. Enfin bref, l'attaque et le soutien, je sais pas quoi dans les attaques. Alors, on va faire ça. Voilà. Donc je vous ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai une petite attaque sur le côté. Je pense qu'elle finit d'une attaque invasion à partir de mon compte Rommel. Donc voilà, vous pouvez savoir ceux qui n'ont pas fini la campagne comme moi, on avait pu voir que j'avais fini la campagne. Mais les attaques et invasions sont vraiment rétablies par rapport à votre niveau. Même si vous n'avez pas fini, voilà, moi j'en ai vraiment beaucoup au même endroit. Ce qui est assez sympa. Donc on peut voir que vraiment en fait, je me suis trompé, c'est pas des gros bases pour tout le monde. Non, en fait, c'est par rapport à votre niveau et à votre état-major surtout. Donc on peut voir que Warlast, état-major niveau 6, je crois, a vraiment une base différente. Donc tout le monde est équilibré et ça, ça vaut le coup. Voilà, donc on peut voir déjà que la base est beaucoup plus petite, que les murs sont pas pareils et que les niveaux sont bien. Donc on va aller l'attaquer pour le fun. On va voir ce que ça donne. Donc je vais attaquer au pyro, c'est pas très 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 dur. Voilà, on a détruit un côté. Je vais mettre celui-là ici. Voilà, on met tout sur le côté, toujours sur le côté. Donc vous pouvez jouer au sapeur ou au pyro. Donc voilà, c'est pas des bases extrêmement dures. On va mettre les artilleurs sur le côté. Une étoile. Ah ouais, d'accord, j'ai même pas fait 2 étoiles. C'est quoi le truc à côté? Ok. Donc patience, patience, je pense faire un 2 étoiles.
moins 3. Non, 2. Donc voilà, j'ai une roue dans ce truc, donc voilà, qui fait partie, et on va voir ça tout de suite. Donc une pièce de l'avion, c'est vraiment très sympa, même si j'ai pas fait un 100%. Donc disons que c'est pas négligeable, franchement c'est sympa. Et puis voilà, voilà, vous voyez que c'est réparti vraiment par rapport au niveau. Donc avant de terminer cette vidéo, on m'a demandé de faire une critique de base, donc Damien, un abonné. Si vous voulez que je critique votre base, c'est pas une critique, c'est plutôt une aide. Moi, c'est pas une critique, c'est une aide. Après, s'il y a vraiment besoin de critiquer, il y aura à critiquer. Mais je vais vraiment essayer de vous conseiller au maximum. Après, je suis pas un expert. Voilà, on voit la pièce ici. Donc, sur ma... Ah, c'est pour avoir le petit toutou. Même si ça me sert pas à grand chose, ça sert toujours à compléter le ça. Donc, le temps restant, les gens, j'ai vu plusieurs choses. Donc, est-ce que ça recommence à zéro pour l'émission? Est-ce que c'est pour après avoir El Bandito qui sera disponible? C'est une très bonne question. Donc voilà, pas mal de rumeurs circulent. Je remercie Scorpion pour les screenshots, excusez-moi. Donc voilà, on va faire la critique de base et on va mettre fin à la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin bref, on n'y est pas à la fin. Merci, je m'en fous. Excusez-moi pour ce petit message. Donc, tu es dans le clan France Elite. Hop, petite recherche. Voilà. Évidemment, je vais faire une petite pub pour son clan, évidemment, puisque je fais toujours plaisir à mes abonnés. Ok. Voilà, bah, oh, ils sont 3 en plus, ça tombe bien. Ils étaient 2 la dernière fois que j'étais parti voir. Donc, Damien, tu es le général, tu es niveau 92, tu fais partie du France Elite. Et, donc, ton clan est niveau 2. À mon avis, tu viens juste de le créer. Vous êtes déjà 3, un colonel et un soldat. Donc, le clan est niveau 2 France Elite. Donc, l'emblème, logo banal. Donc, le classement, vous êtes à 1475. Pas assez pour faire les tournois. Les membres, vous êtes 3 sur 50. Le type ouvert. Donc, tout le monde peut aller le rejoindre. Le classement requis est ouvert à tout le monde. Ah, bah, ça tombe bien. En plus, tu as autant de médailles que l'année à laquelle nous nous trouvons, donc nous sommes en 2015. Voilà, donc voilà, petite pub. Si tu veux faire un petit partage de ton clan dans le chat, si tu veux faire un petit pub, si tu veux dire voilà, nous recrutons à part, nous attendons de la communauté francophone qui vienne, etc., n'hésite pas à le dire dans les messages, dans les commentaires de cette vidéo. Donc ça charge lentement, hein. Je filme en même temps, j'ai pas une bête. Donc vous voyez un petit peu au-dessus la tour de feu. Voilà, donc ça charge délicatement. Ouais, je zoome en même temps pour faire un peu plus taille. Voilà, donc on peut voir les tours. Ta base en général, je vais arrêter de zoomer. Même si c'est vraiment très beau. J'adore le graphisme sur Facebook. Quand on zoome bien, c'est vraiment très, 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 très bien fait. Donc voilà, petit conseil sur ta base. J'ai remarqué, j'ai fait attention, j'ai visité un peu. Et j'ai vu quelques trucs qui ne correspondaient pas à ce qu'il faut. Donc, en tout premier, il y a un truc qui m'a stressé. Mais c'est vraiment le cas de le dire. Donc, en tout premier, si tu veux un conseil, on va dézoomer, on va arrêter. Si tu veux bien t'arrêter. Merci. Donc, tout en bas, nous avons le mortier. Un mortier de niveau 6 qui est
en dehors de la base qui est vraiment pas du tout protégé. Et si on lance des troupes, en plus, il peut pas tirer dans les environs. Donc il est vraiment très mal placé. Alors que je vois que tu as un mortier de niveau 2 qui est sur le... Sélectionne-le, s'il te plaît. Un mortier de niveau 1 en plus. Donc qui est à l'intérieur de ta base et qui est protégé. Tu vas me faire comprendre c'était quoi ta logique. Surtout pas te vexer. Mais voilà, privilégie déjà les plus grosses défenses, les plus grosses armes. Donc déjà rentre ton mortier à la place de ce mortier-là. T'as raison pour les autres mortiers qui sont super bien placés. Puis qu'est-ce que j'avais vu? Oui, toutes les tours de feu qui protègent des ressources inutiles. Donc voilà, tu as vraiment un coffre et un réservoir rempli. Mais trois tours de feu pour des réservoirs et coffres peu remplis, ça sert à rien. Donc j'ai donné mon petit conseil. Attends, je regarde celui-là, j'ai pas regardé s'il était rempli. En tout cas, il n'a pas 1 million ou 2 millions. Voilà, t'as 115 000, t'as pas grand-chose. C'est bon, tu peux quitter. C'est bon. C'est bon. Ah, le dissident. Donc, c'est pas grave. En attendant que ça s'enlève, je te conseille de mettre plutôt des tours de feu vers le milieu. Ouais, voilà, vers là, qui protégeront plutôt tes deux réservoirs. Autre chose, tes bunkers, ils sont vraiment centrés, centrés, centrés. Je serais à ta place, je mettrais plutôt des défenses au milieu. Au moins, c'est vraiment les derniers touchés. À ta place, je mettrais plutôt les tours de guet. Donc voilà, tu peux recentrer par exemple les tours de feu sur à la place des tours de guet. Les tours de guet, tu les rentres. Tes rayons électriques, ou je sais plus comment on appelle ça. Voilà, canon électrique. Ils sont bien placés, là franchement très bien placés. Tes rayons mortels sont très très bien placés. Tes murs sont bien augmentés, je te félicite, ça c'est bien. Donc t'augmentes vraiment tout au max. Avant d'évoluer ton état-major, c'est super bien. Je vois que tes murs sont à peu près tous terminés, donc n'hésite pas à terminer vraiment les derniers. N'oublie pas ce petit bleu que j'ai remarqué là, j'ai juste remarqué le niveau 6 qui a rien à voir avec les autres. Ton canon, là pareil, ne l'oublie pas. Niveau 7, et mets-le au niveau 10 comme les autres. Donc ton mortier aussi continue à le monter. Je te conseille de monter aussi les réservoirs et les coffres. C'est peut-être chiant, mais lorsque ça a beaucoup de vita, ça peut ralentir les ennemis. Donc c'est conseillé. Ta tour de feu, n'hésite pas aussi à l'augmenter. Elle fait des dégâts en zone, donc c'est ça qui est très intéressant. Merci de vouloir sortir, j'en ai strictement rien à foutre d'un réservoir de niveau 2. S'il te plaît, si tu veux bien m'écouter, je t'en supplie. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit? Ton clan, ton QG clan est très bien placé. Tes canons qui sont à l'avant, tu as fait vraiment bien. Voilà, par exemple, tes anti-aériens, tu devrais plus les centrer. Et tes coffres et réservoirs, tu les mets plutôt vers l'avant. Après, tout dépend. Si tu es en ressources, tu les mets vers l'arrière, t'as bien raison. Si tu es en tournoi, tu les mets vers le devant, comme j'ai dit. Donc 7% de batterie. Donc les amis, ceci annonce la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Lâchez un pouce vert. Le best-of des 50 abonnés va vraiment pas tarder. Il faut vraiment que je réalise puisque je m'attendais pas à monter aussi vite. Sur ce, les amis, on se retrouve la prochaine fois. Pas lorsqu'il y a une prochaine mise à jour, mais je pense vous faire le maximum de citadelles, les nouvelles citadelles. Si j'ai l'avion en complet, etc., je vous ferai des vidéos. Sur ce, les amis, passez un très bon week-end, passez une très bonne semaine et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut tout le monde, c'était Pyrotoxique.